Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une petite pause, j'ai pris des petites vacances, je me suis ressourcé. Je me suis bien reposé, pas du tout, je suis encore plus éclaté que quand je suis parti en vacances. Mais c'est pas grave, on se reposera quand on sera mort. Du coup, petit retour, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un peu de tout ça, parce que ça fait plaisir. Là franchement, j'ai regardé Genshin de loin pendant que j'étais en vacances. Et je me suis dit, j'ai envie de jouer quand même. J'ai quand même pas mal envie de jouer à ce jeu, la hype revient, ça fait super plaisir. Et je vais pas revenir les mains vides parce que je vous propose comme ça d'entrer un live demain sur Twitch, invocation sur l'arme. Donc la nouvelle arme qui est sortie, l'épée à une main qui scie parfaitement à cutting. Ça va être incroyable, je vais lâcher 200 boules sur le portail, je la veux, j'en ai rien à faire. Venez nombreux, le Twitch est dans la description. MOHA et SNT, ça va être juste incroyable pour le retour, faire un gros live comme ça invocation, ça va être juste être un truc de fou. Bon, comme vous voyez, je suis heureux, j'ai le sourire aux lèvres. Pourquoi aussi? Parce que c'est le retour du Cutting Master. Bah oui, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là au début, Cutting Master par-ci par-là, j'ai joué Cutting pendant les 5 premiers mois du jeu, avant d'avoir d'autres persos. Et cette étiquette-là, pardon, me colle encore à la peau parce que, comme vous le voyez, je continue à avoir des Cutting. J'ai drop dans ma vie 6 Cutting, je crois, 6 ou 7 Cutting, sans compter tout ce qui est les délires de simulateurs d'invocation qu'on fait en live pour rigoler et où je l'ai tout le temps. C'est juste incroyable. Et je proclame. Aujourd'hui, le retour du Cutting Master, vous allez voir. La nouvelle arme, faut qu'on la chope demain. Venez donner de la force, ça va être juste incroyable. Et on va la mettre sur Cutting, on va faire une Cutting de folie. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'arme en fait pour Cutting. Comme je vous l'expliquais maintes et maintes fois, il manquait une épée pour Cutting. Et celle-là est juste incroyable, 48% de dégâts critiques, 675 d'attaque de base. On peut monter encore les dégâts élémentaires de 30 ou 40% de mémoire. C'est juste un truc de fou. Et j'ai hâte de la jouer. On va la stuff correctement. On va faire des trucs assez cool. Je suis grave hype. J'espère que vous serez au rendez-vous. Parce que là, faut qu'on pète les 20K, les mecs. Ça fait trop longtemps qu'on est en dessous de la barre. Faut qu'on ait les 20 000 abos là. Faut qu'on ait les 20 000 abos. Si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire. Et n'hésitez pas, le petit pouce bleu pour donner de la force. Prochain objectif, les 20K. On va essayer de tout casser. Je suis gonflé à bloc là, ça fait plaisir. Pour ceux qui reviennent de vacances, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, force à vous. En tout cas, là, on va charbonner. Vous inquiétez pas, les vidéos vont sortir. Et je voulais vous faire la petite annonce aujourd'hui pour que vous soyez préparés au live de demain. Voilà, c'était une vidéo un petit peu annonce. Donc, il y a du lourd qui arrive. J'ai presque rien suivi. Je regardais de loin, etc. Les petites fuites d'infos, les petits persos qui sortaient, etc. Mais demain, ça sera vraiment un live découverte aussi sur Inazuma et tout. Donc, juste incroyable. Juste incroyable. Des invocations, de la découverte, tout ce qu'on aime dans Genshin. Le retour aux sources avec la découverte de nouvelles zones et tout. Ça va être trop, trop bien. On essaiera d'avoir un frérot invocal. Peut-être on demandera à Polia s'il est chaud. Voilà. On fera tout ça bien et puis je voulais vous avertir, voilà, je voulais vous avertir pour que vous ratiez pas ça. Je vous souhaite sur ce une bonne journée ou soirée. Je vous dis à demain et je vous laisse avec 5 minutes de blanc pour qu'on ait les 8 minutes pour que je mette plein de pubs. Non, je rigole, c'est pas vrai. Allez, ciao ciao les mecs, portez-vous bien. 19h30 demain sur Twitch.